On se retrouve en 77, donc je m'installe à Québec, mais comme bon jeune de l'époque écolo hippie, on n'a pas d'auto, donc on est un petit peu limité dans nos déplacements. Ça nous amène beaucoup, ma blonde et moi, d'être un peu collés sur la famille, chose qu'on n'aurait sans doute pas dû faire, là, parce que je pense que ça aurait été plus intéressant d'être plus autonome. Sur le plan du travail, je commence à réfléchir à une maîtrise sur la question des femmes qui perdent leur statut. Donc, à cette époque-là, là, cette problématique que j'ai expliquée, des pertes de statut, puis de toute situation finalement très difficile que vivent les femmes autochtones quand elles sortent de la réserve ou quand elles marient un blanc, donc d'être vraiment discriminées, stigmatisées. Par Charlotte, je côtoie un petit peu donc toute la famille Siwi, qui à l'époque là, sont les Warriors du village Huron. Hein. Et on ne se fait pas très très bien accepter en tant que Français. Heureusement, bon, j'étais avec leur cousine et tout ça, mais ce n'est pas si évident d'être accepté, hein, dans ce milieu-là. Mon intérêt pour toute cette problématique-là, comme je disais, bon, ben, ça m'amène quand même à plusieurs réunions ou des assemblées politiques avec le milieu autochtone. Et puis très vite, j'ai un malaise avec toutes les divergences qu'il peut y avoir et puis les tensions entre nations. Espèce de domination justement des Hurons, des Mohawks, par rapport aux montagnais, par rapport aux Innus, aux Inuits et tout ça. Puis plus tu vas vers les gens qui sont éloignés, là, à un moment donné, ils n'ont pratiquement pas de droit de parole. Ça a amené un désintérêt de ma part, là, du milieu autochtone. Peut-être aussi que c'était une naïveté européenne et de français, là, qui a été qui a eu une certaine désillusion par rapport à ce que j'aurais attendu, là, d'alliance et puis de solidarité ou de lutte. En tout cas, moi, je m'intéressais à toute la question de ces luttes-là. Puis là, tu rencontres, tu tombes dans un panier de crabes, là, tu sais, et avec énormément de tensions, beaucoup de discrimination interne, en tout cas, moi, tel que je le percevais. Puis ça m'a amené à me dire que j'avais pas véritablement d'intérêt à continuer à travailler en anthropologie dans cette perspective-là. Alors, c'est ça qui est... Donc, je commence à chercher un autre sujet de thèse. Je m'intéresse à cette époque-là à toute la question
Je vous ai parlé un petit peu du nucléaire. Et bon, qu'est-ce qui est lié au nucléaire? C'est un petit peu, dans ma perspective, une société nucléaire ne peut qu'être totalitaire, ne peut qu'engendrer en fait un régime d'autorité policier. Et parce que le nucléaire signifie le contrôle et la possibilité du terrorisme. Donc, c'est dommage que je n'ai pas continué dans ce sens-là, parce que je pourrais être un grand expert actuellement sur la question du terrorisme, mais ça m'a amené à essayer à travailler là-dessus et à voir, bon, éventuellement à faire un travail sur société nucléaire, société totalitaire, régime policier. Essaye de faire ça au département d'anthropologie à l'université Laval, c'est pas si évident. On m'a orienté vers Eric Schwimmer. Alors, lui, il m'a écouté, puis il m'a parlé du millénarisme. Et puis, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, non pas le millénarisme, le messianisme. Le messianisme, et puis tout ça. Donc, en fait, un petit peu là, tous ces mouvements. Autour d'une certaine vision là bon, c'était pas si évident. On a failli se ramasser en Indonésie à un moment donné parce que on a failli partir sur un terrain ma blonde et moi avec Eric Schwimmer et tout ça. Puis finalement, bon, j'avais commencé à travailler à développer un petit peu là-dessus et d'autres choses est arrivé. En 60, on part sur la côte nord, à cette île, et là je vais rencontrer un ami de ma blonde, Charlotte, qui s'appelle Yves Bussière, qui est aussi étudiant au département d'anthropologie. Qui vient d'avoir, en fait, qui a eu un accident d'auto au Mexique 3 ans avant, qui est quadriplégique, donc en fauteuil roulant. Et ma blonde le connaissait déjà, mais cette rencontre-là va être décisive pour moi, parce que on commence à sympathiser. Et il attire mon attention sur un développement qui se fait à cette époque au Québec, qui est une réflexion pour l'adoption d'une loi sur, au départ, la protection des personnes handicapées. Donc il y a un projet de loi qui est déposé à l'époque, en fait, ça c'est en. Le projet de loi a été déposé en 1975 par le Parti libéral pour la protection des personnes handicapées. Et cette démarche-là législative va être le point de départ d'une certaine mobilisation qui est à la naissance du mouvement de défense des droits québécois dans le domaine du handicap. Alors, Yves Bussière, lui, est à Québec et au quotidien, il rencontre bien entendu un ensemble d'obstacles et il est lui-même donc militant. Et par exemple, il va beaucoup militer pour avoir des stationnements réservés pour les personnes handicapées. Juste que je peux mentionner ça maintenant, même si c'est un petit peu après, mais
Donc lui, il va tellement faire de pression sur la ville. D'abord, il accumule les contraventions. Et puis, je pense que c'est le premier quad qui va aller passer une nuit en prison à cause de ses contraventions, toujours par rapport au stationnement. Et puis finalement, ils vont le garder une nuit parce qu'ils essayent de garder un quadriplégique en prison. Il n'est pas resté là. Par contre, c'est lui qui, grâce à lui, actuellement, dans la ville de Québec, en fait, il y a à la fois des stationnements de personnes handicapées, mais en réalité, les gens ne le savent pas, mais on peut se garer n'importe où si on ne trouve pas de stationnement. Donc, c'est grâce à Yves Bussières, c'est grâce à un anthropologue. Donc, on sympathise avec Yves et c'est Yves qui va me présenter d'autres personnes et ça va m'amener à rentrer dans un conseil d'administration d'un organisme de défense de droit à Québec qui s'appelle Carrefour Adaptation. Et donc ça, c'est en 78. Puis tout d'un coup, puis c'est là, c'est pour ça que j'essayais de vous expliquer antérieurement que même si je suis moi-même handicapé, je me ressentais pas comme une personne handicapée, puis je vivais pas l'identité d'une personne handicapée. Et c'est plus par ce cheminement-là que là, j'atterris dans en fait l'émergence d'un mouvement social, de la naissance là, d'un militantisme autour de la question plus de l'exclusion sociale des personnes, des discriminations qui étaient vécues. Et ça m'amène à une véritable possibilité de terrain anthropologique qui va déboucher sur mon choix de sujet de thèse finalement sur la question du handicap. Donc c'est une question encore de rencontre. Alors on est passé par les autochtones, j'ai quitté les autochtones, j'ai rencontré le handicap, mais en même temps tout ça quand même dans le lien avec l'anthropologie, parce que autant ma blonde que Yves, là, qui m'a ouvert sur ce volet-là, était aussi impliqué en anthropologie. Donc on était. Donc ça, c'est le démarrage qui m'oriente vers le choix de mon sujet, là. En 77. Alors là, ça va prendre. Si on s'oriente maintenant donc sur la question du handicap, moi, ça m'amène à développer un intérêt pour la réflexion sur la normalité, hein, donc, et la notion de corps différent. Alors, je pense que c'est moi qui ai créé ce terme-là de corps différent. Donc, dans ma thèse, il y a deux aspects dans mon travail de thèse. Il y a une réflexion théorique sur l'évolution historique de la perception et de la signification des différences corporelles, comportementales, hein, donc dans l'histoire et dans les diverses sociétés. Puis l'autre volet, c'est vraiment un volet très très pratique, terrain, qui est mon implication personnelle comme observateur engagé, comme on l'a un peu inventé, je pense, en anthropologie à cette période-là, dans
l'émergence de ce qui allait devenir le mouvement de défense des droits des personnes handicapées au Québec. Donc, et à partir de, au départ, vraiment de, d'un terrain dans la ville de Québec, donc très, 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 très local. Donc, alors ça m'a amené à... Il y a plusieurs choses, là. Bon, si on va, si on va plus sur l'expérience terrain à cette époque-là, c'est que en entrant sur le conseil d'administration de Carrefour Adaptation, ben là, je vais rencontrer quelques personnes qui vont s'avérer être les pionniers puis les leaders du développement de ce mouvement-là. Chose qui est assez peu connue, parce que quand on regarde les historiques au niveau du mouvement de défense des droits de québécois, c'est beaucoup Montréal, hein. Donc, presque tout est concentré, hein, j'en reparlerai, là, mais disons, tout est orienté à Montréal. Donc, le partir de Québec, tout ça, moi, de toute façon, je ne connais pas l'histoire à cette époque-là, je ne connais pas la dynamique. Donc, je suis à Québec. Donc, prendre ce volet-là à partir de Québec, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé à partir de Québec. En fait, en réalité, le mouvement est parti de Québec, de Montréal et de Sherbrooke. Et il s'est beaucoup organisé autour d'abord des personnes, en général, qui ont des problèmes de mobilité. Puis beaucoup pour la question de l'accessibilité, par exemple au niveau accès à une résidence, à un logement qui puisse être accessible, accessibilité architecturale au niveau de la ville, et la question du transport. Donc on passe, c'est vraiment des personnes qui en général étaient... soit en institution, soit confinés dans leur milieu. Puis, et encore là, c'est des jeunes, je reviens toujours là-dessus, parce que c'est des personnes qui sont handicapées, mais qui sont dans la mouvance des mouvements de jeunes de l'époque qui veulent aller faire le party, qui prennent un petit joint. C'est cette époque-là. Ça, on oublie ça, là, mais c'est ancré dans, encore dans la contre-culture dont je parlais. Et l'émergence du militantisme, il est ancré dans ce mouvement-là. Mais il est toujours marqué, puis pour moi, ça va être quelque chose d'important dans ma réflexion anthropologique et puis dans... mes travaux par la suite, c'est, je crois beaucoup, moi, en l'importance des individus, des personnalités. C'est qu'on parle souvent de mouvements sociaux. Alors c'est sûr, il y a un mouvement, il y a une mouvance, je dirais, mais il y a avant tout des acteurs. Il y a avant tout des leaders, des personnes qui vont venir par leur expérience et par leur action, par leur témoignage, leurs actions militantes, c'est avant tout des individus. Puis en réalité, quand on ausculte et qu'on regarde les mouvements, eh ben on peut presque compter ces personnes-là sur les doigts de la main. Alors bien entendu, autour, il y a toutes les relations, mais ce que je veux dire, c'est qu'en rentrant sur ce conseil d'administration, finalement, en l'espace de 2-3 semaines, ben, je connaissais toutes les personnes clés qui sont devenues très très importantes par la suite dans cette histoire-là. Du militantisme à Québec.
Bon, c'est sûr que c'était pas pour rien qu'ils étaient déjà là et puis impliqués, mais c'est pas 20 personnes là, c'est entre 5 et 10 personnes, hein, donc et encore là, je veux dire, je veux pas enlever l'importance de toutes les personnes qui gravitent autour d'elle, mais ça demeure très peu de gens. Et il y a beaucoup d'actions majeures qui vont même devenir des moments historiques, qui sont en fait le fruit de l'action d'une personne. Puis je crois beaucoup à ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Non, je vais continuer à vous en parler là, mais disons, c'est quelque chose là qui me marque beaucoup, en fait, qu'on peut faire, on peut reconstruire les histoires autour de personnages clés. C'est pour ça que le terme de mouvement social, parfois on cherche le mouvement. Hein, c'est-à-dire, c'est vrai dans la notion de mouvance, mais c'est pas le troupeau, là. C'est pas obligatoirement des masses de gens et tout ça, c'est, enfin, selon moi, là. Donc, à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui est très important, qui s'appelle Mario Bolduc, qui va être... C'est une personne qui a la dystrophie musculaire, donc en fauteuil roulant électrique... c'est les premières personnes qui ont eu la chance de pouvoir aller faire leur éducation en milieu ordinaire. Donc, c'est la première génération de gens en logement. Et puis, lui, il va commencer à développer un organisme, en tout cas. Pour le développement des services de maintien à domicile, c'est l'émergence du premier transport adapté. Donc, autour de la table, il y a une autre personne qui s'appelle Christian Dufour, qui est un autre quadriplégique suite à un accident, qui décide de mettre son propre véhicule au service des personnes. Donc, à partir de son sous-sol, avec son frère, ils ont un premier véhicule, et puis là, les gens appellent, et puis là, ils font des transports. Et après ça, un deuxième véhicule, après ça, un projet. Il y avait plein de projets à l'époque. Quand on regarde tous ces trucs-là, tout a marché avec des projets Jeunesse Canada, ou je sais pas. Il y avait plusieurs noms, là, c'était beaucoup de projets étudiants et. Des projets d'été. Tout ça s'est construit avec ça. Donc, les balbutiements du transport adapté, des services à domicile, des résidences. C'est pas des vraies résidences de groupe, mais c'est comme, par exemple, on prend des appartements, puis là, on se donne des services en commun. Donc, on appelle ça des îlots résidentiels, où les personnes mettent en commun des services pour pouvoir. Se lever le matin pour avoir de l'aide et tout ça. Donc, la première organisation de ces services-là, ça donne un organisme qui s'est appelé Habitation Plus, dont le premier directeur était cette personne-là, Mario Bolduc. Puis autour d'elle, la gravitaient quelques autres personnes qui faisaient des pressions politiques. Pour obtenir des subventions pour l'organisation des premiers services aux personnes handicapées à Québec. Mais en même temps, en faisant ce combat-là à Québec, c'était aussi en lien avec, bien entendu, des démarches au niveau des ministères, au niveau. Donc, ils ont contribué au développement aussi. Au niveau québécois, au niveau provincial. Ça, c'est le volet, je dirais, plus local. Si on le regarde. Donc, moi, je suis.
je fais de l'anthropologie, mais je suis en même temps... C'est-à-dire, je fais de l'anthropologie dans le sens où je suis engagé, je suis partie prenante, je participe à tout ça, mais en même temps, je le fais avec un regard, un recul d'observation, où je fais vraiment un travail d'anthropologue, là, d'ethnographie aussi, donc les prises de notes et tout, là, mais je demande la permission à personne. Par exemple, ici, là, je commence à venir fureter, parce que c'est le seul centre de réadaptation. Donc là, je commence, parce qu'il y a beaucoup de réunions qui se font ici. Je commence à rencontrer des gens. Donc, j'ai fait une partie de mon terrain ici. À l'époque, c'était même pas le centre François Charron, c'était le centre de réadaptation de Québec. Et c'est drôle parce que ça, on parle toujours de l'éthique et puis des autorisations et tout ça. Moi, j'ai jamais fait ça. De toute façon, j'en étais même pas véritablement conscient. Donc, j'ai même demandé d'autorisation à la direction ici pour ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que j'ai postulé pour pouvoir travailler ici, pour pouvoir observer, mais de manière en étant partie prenante, là, en travaillant. Donc, puis j'ai même fait une demande pour être admis au centre jour ici, compte tenu que j'étais quand même handicapé, puis tout ça, mais sauf que j'avais toute mon autonomie et tout, donc j'ai été refusé. Puis on m'a, juste pour l'anecdote, le directeur des ressources humaines, il m'a offert à un moment donné un emploi pour repeindre la grille extérieure du centre ici, parce qu'il y avait une grande grille, avant ça n'existe plus. Alors il m'a offert comme travail étudiant d'aller repeindre la grille. J'ai dit non monsieur, ce que je voulais c'était un emploi pour avoir des interactions avec le monde, donc repeindre la grille extérieure, c'est pas exactement ce que je souhaite faire. Alors c'est assez, c'est l'anecdote dans le sens où on m'a offert de repeindre la grille extérieure, puis après je vais être directeur. Je vais développer l'institut universitaire ici.